السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي. مرحبا بكم في قناتكم جو كومينيك تي في عبر يوتيوب. إذا من خلال هذه الحصص سوف تتمكنوا من القراءة وفهم جيد للفرنسية. بونجور بونجور chers élèves de la classe de CP aussi de la classe de CE1. Alors, encore une fois, des vidéos pour apprendre bien le français, surtout la lecture et aussi d'autres activités de français. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. La vidéo est disponible sur notre chaîne maintenant. La langue, l'aura, le climat. والجملة لو مو إلى فرنسا. إذن بعد قراءتكم الجيدة للمقاطع السابقة في الفيديوهات السابقة، إذن سوف نتمكن من قراءة هذا النص. suivez avec moi s'il vous plaît. l'escargot l'escargot Jalal va à la campagne. Jalal va à la campagne. Il se promène dans les champs. Il se promène dans les champs. Jalal chante. Jalal chante. Il voit un escargot. Il voit un escargot. Il avance sa main pour le prendre. Il avance sa main pour le prendre. L'escargot glisse. L'escargot glisse. Jalal va à la campagne. Il se promène dans les champs. Jalal chante. Il voit un escargot. Il avance sa main pour le prendre. L'escargot glisse. Jalal chante. C'est une phrase. Jalal est un sujet, celui qui fait l'action. Chante, c'est un verbe qui exprime une action. Jalal chante. Jalal chante. Alors, Jalal chante, c'est une phrase. Il y a un jumla. Et Jalal هو الفاعل الذي يقوم بالفعل وكلمة شانت هو فعل يعبر عن حركة. La phrase se compose de deux ou plusieurs mots. Par exemple, Jalal a deux mots. La phrase se compose de deux ou plusieurs mots. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Jalal commence. Ce mot commence par une majuscule et se termine par un point, une phrase. Elle veut dire quelque chose, il a un sens. Par exemple, il y a un oiseau dans la cage. I, c'est majuscule, c'est une I écrite en majuscule et il y a ici un point. Il y a un oiseau dans la cage. La phrase se compose de deux plusieurs mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y a 8 mots ici. Elle commence par une majuscule. Par exemple, il, i, ici, majuscule. Et se termine par un point. Voici le point. Elle veut dire quelque chose. Elle a un sens. Alors, j'écris oui devant la phrase qui a un sens et j'écris non devant la phrase qui n'a pas de sens. La maîtresse est malade. Oui, c'est très bien. Mange la jeu dans la glace. Non, 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 c'est pas une phrase. Il n'a pas de sens. Le garçon cherche Minouche le chat. Le garçon cherche Minouche le chat. Oui, c'est une phrase. Le renard est un animal. Oui, c'est une phrase. Alors, la maîtresse est malade. Oui. Le garçon cherche Minouche le chat. Oui. Le renard est un animal, oui, mais mange là, je, dans la classe, non.
Ce n'est pas une phrase. On écrit ici, non. Écrivez non ici. Écrivez oui. Et aussi. La maîtresse est malade, c'est une phrase. Le garçon cherche Minouche, le chat, c'est une phrase. Le renard est un animal, c'est une phrase. Très bien, mes chers élèves. Est-ce que vous avez compris le mot et la phrase? Alors, la phrase se compose de deux ou plusieurs mots. Il y a un oiseau dans la cage. Il y a un oiseau dans la cage. La maîtresse est malade. Combien y a-t-il de mots? 1, 2, 3, 4. Le garçon cherche Minouche le chat. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le renard est un animal. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il y a 5 mots et 6 mots. Et la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Elle veut dire quelque chose. Elle a un sens, bien sûr. Voilà. C'est tout pour le moment. Et la prochaine vidéo sera une autre activité. Restez toujours sur votre chaîne Je Communique TV. Merci. Au revoir. À très bientôt.